Bonjour à tous, c'est Pierre Exemple pour AndroidGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Moto X-Play. Donc, le Moto X-Play, c'est le nouveau milieu de gamme de chez Motorola. Et malheureusement, ça a été une grosse déception de mon côté, malgré que ce n'est pas forcément un mauvais mobile, mais il n'est pas très bien placé et il a plusieurs défauts. Au niveau du design, donc on se retrouve avec un écran de 5,5 pouces, donc une phablette. Mais au niveau du design en lui-même, on reconnaît un petit peu Motorola, mais pas beaucoup. Le gros problème que je le reproche, c'est que le dos et les bordures font trop grossières. Le côté plastique est un peu trop accentué et le décalage avec le Moto X 2014 est assez impressionnant. Il fait plus téléphone de baroudeur plutôt que téléphone un peu, pas prestigieux, mais un Moto X tout simplement. Même si on connaît un petit peu la patte, on la reconnaît pas trop et ça c'est un petit peu dommage. Ensuite on reconnaît donc les classiques, au niveau de Motorola, au niveau des placements des boutons jack et micro SD. On aura l'avantage d'avoir la possibilité de mettre une double SIM plus une carte SD, donc deux SIM par contre en nano. Donc préparez-vous si vous achetez l'appareil. On regrettera aussi juste que ici c'est peut-être un petit peu trop étiré cette bande là. Et il faut savoir que donc la coque ici donc peut s'enlever pour être changée, mais malheureusement seulement pour un changement de couleur. Donc sur Motomaker vous pouvez donc choisir votre couleur, mais vous n'avez pas d'autres designs de coque. Et ça je trouve que c'est vraiment un manque et c'est ce qui fait que le téléphone fait trop baroudeur. Au-delà de ça, vous avez aussi la bordure qui est un peu trop prononcée et qui fait aussi que je trouve que le téléphone fait grossir en termes de design. Au niveau de la surcouche, on se retrouvera avec Android 5.1.1 en 32 bits et pas 64 bits, ce qui est déjà assez étonnant. Et le problème, c'est que les performances de l'appareil sont assez aléatoires, c'est-à-dire qu'au niveau de la fluidité ou de la réactivité, on peut se retrouver avec parfois des gros lags ou un manque de fluidité, quelque chose que je ne retrouvais pas du tout sur le Moto X 2014. Mais ça, c'est dû, je pense, à un problème au niveau du processeur, puisque le processeur est moins performant que celui du Moto X 2014. Et je pense que c'est un problème. Il y a aussi le fait, peut-être, que Android en 32 bits ne permet pas une bonne optimisation du système avec le processeur, qui est le Snapdragon 615. En plus, nous perdons tout ce qui fait l'intérêt de AC Display avec l'écran qui revient en AMOLED. Il nous manque les capteurs de proximité et il nous manque le gyroscope, ce qui fait que la détection pour déverrouiller le téléphone n'est pas parfaite. Alors là, il est plutôt bien fait, mais chez le Moto X 2014, c'était bien mieux maîtrisé. Là, le problème du gyroscope, enfin de seulement l'accéléromètre, on perd vraiment en termes de précision pour le réveil du téléphone. C'est-à-dire qu'avec le Moto X, on faisait ça, c'est avec celui-là, on ne peut pas. Donc ça c'est un réel problème. Après on a le reste des applications Motorola qui est par exemple l'appareil photo, migration ou encore vous avez Connect qui reste présent, mais je trouve que au niveau de la surcouche c'est vraiment plus de l'Android pur plus qu'un Motorola, puisqu'il nous manque vraiment le côté AC Display qui faisait normalement tout l'intérêt de la marque. En termes de performance, l'appareil un petit milieu de gamme avec seulement 31 000 points au compteur. Donc 31 000 points, on est en deçà d'un Helio X10 ou d'un Kirin 935 ou encore d'un S801 chez Qualcomm. Donc quelque chose qui est quand même assez grave, j'ai envie de dire, entre guillemets. On n'a pas des performances au top et ça se ressent dans l'interface et même un peu en jeu. C'est un petit peu de problématique, c'est assez dommage qu'on se retrouve avec un processeur qui est quand même pas mal à la ramasse. Il a vraiment mal vieilli. Même un Asus Zenfone 2 ici est quand même bien plus performant. En termes d'autonomie, l'appareil fera un très bon score, puisqu'avec 3600 mAh, il pourra avoir une très bonne autonomie. On se retrouvera avec facilement 6 heures écran allumé, et jusqu'à peut-être 8 à 9 heures si vous êtes tout le temps en Wi-Fi, avec la luminosité au minimum et du social, ce qui est plutôt un très bon score en même temps. Il est plutôt bien optimisé de ce point de vue-là. Niveau écran, on se retrouve avec un écran Full HD de 5,5 pouces. Alors par contre, on perd la AMOLED au profit d'une dalle IPS avec des noirs très profonds. On a un très bon taux de contraste. On a aussi de très bonnes couleurs. Mais je suis déçu parce qu'un Moto X, pour moi, c'est avant tout une dalle AMOLED. Mais néanmoins, on a une dalle de très très bonne qualité LCD, mais qui n'aura aucun avantage pour le AC Display si j'arrive à le déclencher. Et l'intérêt du AC Display était les noirs, et juste un petit peu de blanc affiché. Là, on n'en a aucun intérêt, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne reste pas longtemps. Au niveau du son, malgré les deux haut-parleurs qui sont affichés en façade de l'appareil, seul celui du bas sera un vrai haut-parleur. Celui du haut ne servira que pour les appels. Néanmoins, il aura quand même une bonne qualité de son et une très bonne puissance.
Chose que peu d'appareils ont autant de puissance, et en plus de ça, la qualité est tout de même vraiment pas mal. Au niveau de la prise jack, on se retrouve comme le Moto X en termes de qualité, donc une très bonne qualité de musique, donc avec des bons écouteurs, vous pourrez profiter pleinement de votre musique. Il n'y a pas de choses particulières à dire, le son est plutôt neutre et de très bonne qualité, comme je l'ai dit. En termes d'appareil photo, on se retrouve avec un capteur de près de donc 21 mégapixels, comme le Honor 7, c'est le même capteur, sauf qu'il n'a pas le système de focus ultra rapide. Par contre, on aura toujours le même avantage de pouvoir déclencher toujours aussi facilement des photos avec un système extrêmement simplifié, avec une petite roue pour quelques réglages, mais on est sur un système extrêmement simplifié pour pouvoir avoir la chose la plus simple à utiliser possible. En termes de façade, on se retrouve aussi avec une caméra de très bonne qualité qui, en plus de ça, a un angle assez large, mais qui ne fait pas forcément meilleur que ceux du moment. Et on peut voir qu'il éclaire via le flash de l'écran, donc un peu comme ce que fait les iPhones, enfin ce qui a été annoncé en tout cas par les iPhones, pour améliorer en fait votre image. Au niveau des jeux, on se retrouvera donc avec une puce Adreno 305 qui malheureusement n'excelle pas par ses performances. En effet, elle se fait distancer par les concurrents tels que le S801, le S800 ou encore le Helio X10. Le Kirin 935 lui permet quand même de lui tenir tête aussi et même d'être un petit peu meilleur sur certaines choses. Et c'est assez dommage puisque la puce de Qualcomm est vraiment pas à la hauteur du tout, surtout à la hauteur de la réputation de Qualcomm. On est sur une puce graphique qui est en retrait et ça se ressent sur quelques jeux, malheureusement au niveau des détails ou encore de la fluidité. Heureusement Qualcomm rattrape le pouls puisqu'ils sont très présents sur le marché, cette puce aussi, donc les jeux seront plutôt optimisés pour cette puce, mais voilà, elle est en retrait et le pire sera pour le futur avec les nouveaux jeux qui seront plus gourmands. Alors que penser de cet appareil? Et bien pour moi ce n'est pas un réel Moto X, on se retrouvera plutôt avec donc un appareil sous Android pur avec une grosse batterie, mais malheureusement il souffre de la comparaison avec le Moto X 2014 qui est à peu près au même prix, ou encore de la filiale de Lenovo pour rester chez les mêmes gens avec le Zuka Z1 ou Zuk si vous préférez, ZUKA. Et qui est aussi à peu près au même prix. Son prix de sortie à 380€ était un petit peu excessif face au Honor 7 ou au Honor 6 Plus pour parler des Honor. Vous aviez aussi le OnePlus One qui est un très très bon concurrent et même le Moto X 2014 comme je viens de le préciser. Vous avez en fait énormément de concurrence par rapport à ça et le problème c'est qu'il ne se démarque pas du tout face à cette concurrence très présente due à plusieurs problèmes, du fait qu'on ne reconnaît pas vraiment que c'est un Motorola à mon sens, ce n'est pas un réel Moto X. Sa puissance qui reste entre elle, la puce commence vraiment à être en retrait par rapport à ses concurrents, que sont, donc, comme je l'ai dit juste avant, les Qualcomm, Kirin et Mediatek, qui sont très agressifs cette année, et même, par exemple, face au Meizu MX5, il ne tient pas la comparaison. Et ça, c'est vraiment dommage. On est vraiment en retrait sur beaucoup trop de points, ce qui fait que l'appareil a beau essayer de vouloir combler absolument le fossé qu'il y a entre le Moto G et le Moto X, le problème, c'est qu'il le fait mal, et on a l'impression d'avoir un produit où trop de concessions ont été faites pour essayer d'avoir un mobile qui soit, on va dire, peut-être rentable, ou voilà. Mais le problème, c'est qu'il ne suit pas sur beaucoup de points, où il est meilleur, il est moins bon que beaucoup d'autres concurrents sur beaucoup de points, notamment la finition, la qualité logicielle, et surtout la puissance aussi. Et il se démarque sur seulement deux choses, c'est-à-dire, donc, comme je l'ai dit, Android pur et la batterie. Et comme je l'ai dit, malheureusement, le Zuka Z1 fait mieux. Donc vraiment, si à part si vous voulez du Motorola, absolument, c'est bien, mais il y a mieux ailleurs et ça se ressent vraiment, c'est vraiment dommage. Je suis assez déçu, c'était un téléphone que j'attendais beaucoup et je suis vraiment déçu de ce point de vue-là. Donc j'espère que l'année prochaine, ils feront mieux, mais en tout cas, pour une première, ce Moto X Play est pour l'instant une déception. Ce qu'il faudrait peut-être, ce serait de changer de nom et pas de l'appeler Moto X, mais peut-être d'une autre lettre pour le différencier des Moto X classiques et au niveau justement de ces petites choses supplémentaires que offre un Moto X. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur AndroGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroGames.fr.